les signes de l'amour d'Allah Azza wa Jal. قال ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوة والتوقي من إظهار الوجد والمحبة مش ما يكتشفوكش لأن ثم أعداء يحبوا يفرقوا بينك وبين المحبوب فماذا تفعل؟ تخبي الحب هذا هو المقصود تعظيما للمحبوب وإجلالا له وليش زاد الناس كلها يعرفوها المحبوب ولا المحبوبة وهيبة منه وخيرة على سره. C'est pour ça que j'ai dit pour beaucoup des cours qui parlent de la religion, c'est trop, ça banalise, ça gâche la beauté des fois. Il faut que la religion reste toujours un secret, caché, précieux. Il faut là que la personne vienne la chercher. Je dis non là à Google, on tayish, liji yahki ad-din ou liji yasma ad-din. Regarde sur son canapé en train de voir une leçon sur l'amour d'Allah ou bien sur la. C'est devenu banalisé. Voilà. Hein? Donc il faut un peu cacher cet amour. D'accord? Il faut que ça reste précieux. Il faut garder sa valeur. D'accord? Il faut exhorter avec sagesse. Il ne faut pas trop beaucoup d'exhortation. Il ne faut pas faire long aussi. Tout ça, c'est très important. Il a dit ici, cacher l'amour. Parce que nous avons des ennemis qui veulent séparer les couples, qui veulent séparer les bien-aimés. D'accord? Il faut cacher cet amour. Tu gardes ça pour toi, l'amour de Dieu, la spiritualité. Il ne faut pas parler, il y a des gens qui veulent toujours convertir, qui veulent toujours parler de la religion. Ce n'est pas comme ça. Cacher l'amour, éviter de s'en prévaloir et s'abstenir de manifester l'émotion spirituelle par égard, par respect et par crainte de l'aimer. Ainsi que par souci de garder son secret, participe à cette sagesse, c'est juste au bain participant. Je crois participe à cette sagesse. فإن الحب سر من أسرار الحبيب. واحد يكشف المحبوب نتاعو كان قبل. Donc Layla, par exemple, la légende qui est très connue dans la littérature, Layla. C'est un surnom ou bien un nom? Est-ce que c'est vraiment son nom? Ou bien c'est, il a... Allahu A'lam. Il y a des gens qui disent de quoi? En fait, Layla, c'est Allah. Lui, il a utilisé ce prétexte juste pour cacher son amour envers Allah. D'accord? هو قال لك فقط استعمل ليلى كاسم حركي هو الحقيقه الاسم هو المحبوب نتاعو هو ربي سبحانه. Il parle d'Allah en réalité. Mais il a utilisé ce nom ليلى pour cacher son amour pour Allah عز وجل. جميل ها؟ C'est très beau. Donc dans ce sens, فإن الحب سر من أسرار الحبيب. Maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, il n'y a pas d'amour. Tout est divulgué, tout est gâché. On parle. De... Mais tu ne penses pas que ceux qui en parlent beaucoup aussi, c'est aussi pour s'en convaincre eux-mêmes, des fois. Oui, mais c'est pas le bon moyen, ça. Oui, c'est pas le bon moyen. Il y en a qui sont là, qui te parlent, et puis ça a l'effet contraire, en fait. Ça fatigue, c'est-à-dire. Avec nos enfants, Ward, toi, tu connais l'histoire. Oui, c'est vrai, des fois. C'est du bavardage. Voilà, ils détestent l'argent. Ils ne veulent pas nous entendre. Entendre un autre, oui. Mais nous, ils ne veulent pas nous écouter. Parce que c'est trop. Toujours on parle de la religion. Commence pas à parler de savoir. Parle de la vie courante, ça va, tout va. Pas parler de ça va, tu sais que Allah il a dit tout ça. Ça, c'est. Ça peut créer des barrières. Il faut se familiariser tout d'abord,
Tu parles de la dunya, tu parles des choses, de la vie, d'accord? Après aussi, il faut parler. Mais il ne faut pas toujours parler du savoir, parler que de la foi, parler de... Ce n'est pas comme ça. Il faut être... il faut cette intelligence psychologique. Ils n'ont pas cette intelligence. D'accord? À un moment, il en a marre. Il va abandonner ta compagnie. Il a dit, lui, il va me parler de la religion, je sais. Je le connais. Il va me dire qu'il y a un dîn. Il va me dire qu'il y a un dîn. Et surtout la prétention et l'ostentation pour dire toujours je veux. Subhanallah. Ceux qui prétendent être saints ou pieux, subhanallah, les ulama. Là, j'ai trouvé, mais j'ai lu aussi ailleurs, mourant mécréant. Rend une mauvaise, un mauvais sort final. Donc, le mieux, c'est vraiment. Il sera éprouvé déjà dans la vie d'ici-bas. Al-hujjat al-bayyinatu. البينه ادعيت انت تقي اي ما بين لنا انك تقي ولا يا ربي يبين انك تقي يبتليك si tu prétends que tu es pieux tu dois le prouver mais en fait c'est Allah qui éprouve la personne qui prétend la piété donc il faut pas prétendre cache ta piété ta spiritualité pour toi ma تدعيش ما توريش حتى شيء. Il ne faut pas montrer. Tu veux dire da'wa, da'wa par ton attitude. Bihayatik tid'i. D'accord? Et ça dépend aussi, comme on a dit, les situations et les personnes. Si une personne vient te poser une question, d'accord? Mais quand tu prêches, tu ne dois pas être supérieur à ton interlocuteur. Jamais ça. D'accord? C'est très beau ce qu'il va dire. Cacher l'amour, éviter de s'en prévaloir et s'abstenir de manifester l'émotion spirituelle par égard, par respect et par crainte de l'aimer, ainsi que par souci de garder son secret, participe à cette sagesse. L'amour est un des secrets de l'aimer. D'accord? Car il est des il est des prétentions excessives et infondées qui s'assimilent à de la pure affabulation. Là, j'ai rien compris en français. En arabe, moi, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris comme ça, si peut-être je dois corriger ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire que là, toi, quand tu prêches ou ton émotion, elle pense être au top, en fait. Alors, concrètement, c'est pas la réalité. Ouais, c'est juste. L'amour est un secret car il est des prétentions excessives. Donc au début vraiment moi j'aime Allah Azza wa Jalla, je veux parler de lui. Mais petit à petit, je tombe dans les prétentions et l'ostentation. Tu crois que c'était comme ça. Voilà, facilement. Hein? Je me bascule. Oui, tu bascules. Hein? Et infondé qui s'assimile à de la pure affabulation. Ça veut dire quoi, affabulation? Comme ça, j'apprends... C'est un peu mentir. Irtira. Affabulation. C'est joli. Mais, il va dire autre chose. Na'am, qad yakounu lil muhibbi sakratun fi hubbi. Tu vois? Sakratun, je parle à sakra. قولوا تخميره يتخمر ها يتخمر
فيقول n'importe quoi. صح ولا لا؟ حتى يدهش فيه يعني يغيب عقله وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبه فإن وقع ذلك عن غير تمحل يعني مش تصنع أو اكتساب فهو معذور لأنه مقهور ويقولون لا حرج على السكران. السكران معليش ما السكران ما يخذوش عليه. وربما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق سلطانه وقد يفيض القلب به فلا يندفع فيضانه. يهيج فيه الشيء فالقادر على الاكتمان يقول وقالوا قريب قلت ما أنا صانع بقرب شعاع الشمس لو كان في حجري فما لي منه غير ذكر بخاطر يهيج نار الحب والشوق في صدري. يهيج نار الحب والشوق في صدري والعاجز عنه يقول يخفى فيبدي الدمع أسراره. شيء أقوى مني يعني أنا نخفي الحب لكن الدمع يفضحني. فهمت؟ يعني ويظهر الوجد على النفس. ويقول أيضا ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يكتمه. Donc des fois on arrive à maîtriser nos émotions, des fois on est dépassé. On n'arrive pas à cacher. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Il a dit dans ce cas, deuxième cas, lorsqu'on est impuissant, lorsqu'on a, on est dépassé, là il y a pas de gêne et comme on dit libre lorsque on doit on donc livre et excusé. S'il dit n'importe quoi, on dit c'est les ivres. Donc celui qui est ivre par amour, il dit n'importe quoi, il ne sera pas jugé. D'accord? C'est pour ça pour beaucoup des gnostiques, ils ont dit des choses horribles. D'accord? Concernant la religion. Il y a quelqu'un qui a dit « je suis Dieu ». Mais ils ont dit ça, il l'a dit, dans une situation d'ivresse spirituelle. D'accord? Par amour, tellement il était débordé par l'amour de Dieu, il a dit ça. D'accord? Mais il ne doit pas le dire, hein? Attention. C'est pas... Comme l'autre, là, de l'histoire du repentir, qui a trouvé sa chamelle là, dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Dieu, il a dit... Il parle à Dieu, il a dit, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu, ton maître. Hein? Par joie, d'accord? Donc il ne sera pas jeté dans l'enfer parce qu'il a dit à Dieu, tu es mon serviteur. D'accord? Donc dans ce cas-là, si vraiment l'amour est comment dire, maîtrisable, le contraire, immaîtrisable, n'est pas maîtrisable, là, la personne est excusée. Dans ce cas-là, tu peux parler. Si vraiment tu te sens dans un état second, si je peux dire, dans un état second, là, c'est autre chose. C'est que Dieu veut que tu parles. Rabbi hibbuk tatkallam. Voilà. Mais essayer de fabriquer des paroles ou ça ou prétendre hein, être pieux, ça c'est ça ce qui est blâmable. Voilà. Alors on va voir tout ça. Or c'est là une faute sévèrement punie dans l'au-delà. On a dit les prétentieux mourront malheureusement incroyants, ça selon quelques savants. Et qui apporte du malheur dans ce monde aussi. Il sera éprouvé. Il sera éprouvé par Dieu afin qu'il prouve qu'il est pieux. Ici, dans les tribunaux, on dit il y a une sentence en arabe. La preuve pour celui
qui accuse. Tu accuses quelqu'un, d'accord? Tu dois porter des arguments. La même chose, tu prétends pieux, tu dois porter les arguments. Sinon, tu seras éprouvé. Comment c'est possible de savoir si on est pieux ou pas? On n'est pas pieux. Ça, c'est le par défaut. Ça, c'est toujours comme ça. On n'est pas pieux. D'accord? Mais j'ai dit, des fois, on va voir. Voilà, on nous sommes pleins d'émotions et on n'arrive pas à maîtriser ça. Pas toujours. Ça, c'est rare, ces moments-là. D'accord? On peut parler de Dieu et là, même, tu vois personne devant toi. Tu es dans un autre monde. D'accord? Là, tu es excusé. Sinon, il ne faut pas chercher vraiment à convaincre les gens, à argumenter. Ça doit être naturel. Et tabi'i, niqash tabi'i, tu parles naturellement. Hein? Éviter de fabriquer des paroles, fabriquer da'wa. Ça, c'est... Dans le dialogue scientifique, il faut préparer tout. Voilà, sauf il y a vraiment un débat, autre chose. Et dans une discussion, tu ne dois pas toujours être dans un débat. Il y a des gens qui veulent débattre, toujours. Argumenter. Et l'opposition, on se coûte. Il faut apprendre à se taire. Hein? Hein? Et voilà, surtout aujourd'hui, si on n'a pas les arguments aussi, souvent, et tu ne peux pas expliquer, même si tu avais vécu une situation spirituelle, une élévation, comment tu peux l'expliquer? Tu ne peux pas l'expliquer. Souvent, on n'arrive pas à exprimer l'amour qu'on a pour Allah. Mais déjà, c'est inexplicable. Ça, voilà. Et tu veux, et tu, lorsque tu essaies d'expliquer, tu vas gâcher. Oui. Tu vas détruire. Tu vas. Facéda. Hein? Alors, ça, je ne trouve pas les mots pour vous expliquer ça. Alors, il se peut, bien sûr, que l'amant soit pris d'ivresse au point de perdre ses esprits. La raison. Et présenter des troubles dans son comportement. Si ce n'est pas un état affecté ou provoqué volontairement, l'individu est excusé. Est-ce que c'est clair? Car il ne fait que subir cet état qui s'impose à lui. Il ne cherche pas cet état. C'est l'état qui s'impose à lui. Il arrive en effet que le feu d'amour s'embrase et que l'on ne puisse le maîtriser, si bien que le cœur ne parvient plus à contenir son débordement. D'accord? L'homme capable de cacher l'amour dira, il est proche, dit-on, que m'importe que soit, les rayons du soleil, ou proche ou loin de moi, si c'est en mon poitrail qu'il brille et chatoie, je n'ai de lui, ma foi, qu'une réminiscence, qui de l'ardent amour en moi les feux relance. En français, j'ai rien compris. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. C'est-à-dire que si les, même s'il a les rayons du soleil qui sont proches ou loin, il n'y a rien qui le pêche. Parce que là, c'est dans sa poitrine que ça se passe. Voilà, je garde ça dans moi. Et l'homme incapable de le cacher dira, bien que tu, son secret est trahi par mes pleurs, bien que tu son secret. Bien que tu, ça veut dire bien que tu te tais. Voilà, c'est très bien. Son secret est trahi par les larmes. J'essaie de cacher, mais les larmes me trahissent.
Et mon souffle dénonce et l'émoi et l'ardeur. Donc moi, je cache, mais c'est ça le souffle. Ça, on comprend qu'il est... Voilà. Il dira également, qu'en est-il de celui qui, un autre sévère, et voudra-t-il cacher l'inavoué mystère, celui qui le suggère en des traits de paupières. ومن قلبه مع غيري كيف حاله ومن سره في جفني. Donc on voit, il a dit, bon, la première partie, j'ai pas bien compris mon arabe. Alors, mais sirru fi jafni, ici, là, les pleurs aussi, la même chose. Donc ici, les paupières, dans le sens, on voit l'amour dans les larmes. Donc il n'arrive pas à cacher cet amour. وقد قال بعض العارفين أكثر الناس من الله بعدا أكثر سبحان الله أكثرهم إشارة به. Allah, ça fait peur, ça. Ah, un gnostique a dit, les plus éloignés de Dieu sont ceux qui y font le plus allusion, qui parlent toujours de Dieu. كأنه أراد من يكثر التعريض به في كل شيء. يعني وين يتكلم على يجبد لك حديث وآية وآية وحديث. À chaque fois les gens parlent de quelque chose, lui il parle. Essaye de lier ça à la religion. Trop, non? C'est pas quelque de temps en temps. C'est dit. Il a dit ça, c'est les gens les plus éloignés de Dieu. ويظهر التصنع بذكره عند كل أحد. Il parle de Dieu partout. Pas, il ne parle pas de celui qui est en état d'ivresse. Ça, c'est une autre chose. والعلماء بالله فهو ممقوت عند المحبين. والعلماء بالله عز وجل ديما يحكي على الدين هو عندك كأنه يظهر تصنع ça c'est comme il a dit c'est par prétention. Un gnostique a dit les plus éloignés de Dieu sont ceux qui y font le plus allusion. D'accord. J'ai vu un homme qui a bien éduqué ses enfants dans la religion. Il a dit, j'ai enseigné la religion à mes enfants lorsqu'ils étaient inconscients. Lorsqu'ils jouaient, dans un voyage, lorsqu'ils mangeaient. Là, j'injecte comme ça quelques doses de religion. J'ai jamais enseigné officiellement la religion à mes enfants, un cours ou quelque chose comme ça. C'était juste des flashs. Salam alaykoum. C'est très joli. C'est comme. خلي الواحد يقبل الدين هذا مش عارف كيفاش بطواعية. Faut que la personne aime sa religion et l'intègre volontairement. Faut pas l'imposer. Nulle contrainte en religion. Je crois que des fois on utilise la contrainte inconsciemment, hein. Par peur des fois aussi. On a peur de qu'il s'éloigne de Dieu. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas de l'éducateur. Il va parler d'autre chose. Il a dit, un gnostique a dit que les plus éloignés de Dieu sont ceux qui y font le plus allusion. Il entendait certainement par là que les individus qui évoquaient sa personne à tort et à travers, ça veut dire quoi sa personne? Allah. D'accord. Il entendait certainement par là que les individus qui évoquent sa personne à tort et à travers et le mentionnent de manière affectée en toutes circonstances sont réprouvés par ceux qui aiment et connaissent le Très-Haut véritablement. ودخل ذنون المصري على بعض إخوان. Donc si Yahya مرحبا بي إن شاء الله. Quand tu viens de Zurich et moi je descends du troisième étage, j'ai honte de t'enseigner. إن شاء الله.
La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dhunnul Masri, oui. Mais je voulais dire autre chose. Ça va revenir, Inch'Allah. ودخل ذنون المصري على بعض إخواني ممن كان يذكر المحبة فرآه مبتلى ببلاء فقال لا يحبه من وجد ألم ذره فقال الرجل لكني أقول لا يحبه من لم يتنعم بضره فقال ذنون المصري ولكني أقول لا يحبه من شهر نفسه بحبه فقال الرجل استغفر الله واتوب اليه لقاه مبتلى قالوا علاش ابتلاك رب على خاطر تظهر في الحب نتاعو فابتلاك باش يختبر الصدق نتاعك نحي كل ما هو دعوه هني النتيجه قالوا استغفر الله غلط هذا هو الذنون المصري était en visite chez un de ses frères qui se prévalait d'aimer à Dieu. Comme il le trouva souffrant, il lui dit « Ne l'aime pas qui s'affecte d'un mal. » Ne l'aime pas qui s'affecte d'un mal. Qui souffre d'un mal, qui se plaint d'un mal, n'aime pas Dieu. D'accord? Non, ne l'aime pas qui ne prend pas plaisir à sa souffrance. Donc l'homme a répondu par une parole plus profonde. Il a dit, لا يحبه من وجد ألم فقال لكني أقول لا أحبه من لم يتنعم بضري مع تفاق الرجل il a dépassé son niveau dépasse le niveau de Dhunnun al-Masri. Dhunnun al-Masri c'est un pilier de la spiritualité en islam. Donc il a dit non, le mieux c'est de trouver le plaisir dans la souffrance lorsque tu es éprouvé. Donc c'est très fort ça. Il a dit, donc Dhunnun al-Masri, il a dit, ne l'aime pas celui qui se plaint de l'amour d'Allah, de l'épreuve d'Allah. L'autre, il a répondu, il a dit, non, ne l'aime pas qui ne prend pas plaisir à sa souffrance. Répondit l'autre, je prétends, dit Dhunnun al-Masri, que ne l'aime pas qui fait état publiquement de son amour pour lui. Ne l'aime pas celui qui montre l'amour d'Allah Azza wa Jalla, qu'il aime Allah Azza wa Jalla. L'homme s'exclama alors, puisse le Seigneur me pardonner. Il a compris que cette épreuve, que cette souffrance à cause de ça, de ses prétentions. Donc, parmi les signes de l'amour d'Allah Azza wa Jalla, c'est cacher l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est très, très important. On a vu beaucoup de savants éprouver ces derniers temps. Allah nous préserve. Et du coup, la pratique, il faut la cacher aussi. La pratique, donc la prière en groupe, là, on ne peut pas la cacher. Hein? D'accord? Mais le reste, il ne faut pas le montrer. Sauf pour, dans un groupe de prière sur Sayyidina Muhammad, ou le groupe avec la clôture du Coran. Ça, c'est pour s'encourager et encourager les autres. Voilà. Mais en fait, c'est toute une question d'intention aussi. L'intention. Parce que si ton intention, des fois, tu peux montrer sans avoir l'intention de vouloir le montrer. Oui. Ça n'a pas le même impact que quand ton intention, tu veux le montrer. Oui, oui. Des fois, il y a aussi cette aura que tu dégages. Oui. Dans ce cas-là, là c'était que des paroles. Il a voulu. On est vite pris par. Parce que des paroles, il a dit que
celui qui se plaint pas. Et l'autre, il a voulu être plus haut. Il a dit non, celui qui prend pas plaisir. Il faut rester aussi humain. Peu de gens prennent du plaisir à souffrir quand même. Et il s'est rendu compte quand même que ça restait que des paroles et que concrètement, il a demandé pardon parce qu'il a été trop loin. Dans la réalité, on est dans une réalité. Mais l'intention compte beaucoup. Maintenant, comment savoir si l'autre a une bonne intention? C'est pas à nous de le dire. C'est juste. Il me semble. Une fois que tu ressens cette ostentation, il faut s'arrêter. Ouais. C'est facilement. Ça commence tout d'abord. Au début, une bonne intention, et après, ça peut basculer vraiment vers des prétentions. C'est comme celui qui fait les zakat. Il y a les zakat cachés, il y a les zakat. Oui. On peut donner la zakat en public, l'aumône en public. Des fois, on fait une récolte. D'accord ? À l'époque réparatrice, ça se faisait comme ça. Un homme est venu, il a donné une somme d'argent devant tout le monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a loué cette personne. Il l'a fait pour encourager les autres. Mais pas toujours. Des fois, souvent, on doit cacher. Les oui, moi, je pensais par exemple à la prière, si on est avec, au milieu du travail, il n'y a pas le choix. Alors, si tu n'as pas le choix, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais je veux dire, par exemple, il faut cacher quand on fait la prière. Oui, tu essaies de cacher ta prière. Mais pourquoi cacher pour faire la prière? Pourquoi cacher pour faire la prière? La prière, tu dois la faire. Donc... Oui, si tu arrives à prier dans ton bureau, c'est mieux. Il ne faut pas montrer aux autres que tu pries dans le travail, dans un chantier, par exemple. Oui, oui, oui. D'accord? Il ne faut pas faire la prière devant les autres. Oui, mais si, par exemple, on part, et après les gens ils nous demandent, ouais, tu vas où? Enfin, je veux dire, à force d'aller... Tous les jours, je pose des questions. Là, tu n'as pas le choix, oui. Dans ce cas-là, oui, tu n'as pas le choix. Mais là, il ne faut pas cacher. Aussi. Oui, ici, tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas mentir. Je peux ne pas répondre. Ou, c'est mieux. Si tu arrives à te taire, c'est mieux. Tu essaies de cacher. Tu ne parles pas de ta religion pour les autres. Sauf une personne réceptive qui veut s'informer ou bien... Garde cet amour pour toi. Et on va voir les larmes, comme il a dit. L'amour se déborde tout seul. Hein? Tu peux dire que je vais me recueillir. Hein? Tu peux dire que je vais me recueillir un moment. C'est maintenant, tu sais, on est beaucoup, on fait des méditations. Tu peux dire que je vais me recueillir un moment, sans rentrer dans les détails. Je vais souffler, je vais me reposer. Alors la question va poser l'imam al-Ghazali. Fa in qult al-muhabba muntaha al-maqamat wa idharuha idhar lil-khayr. Fa limadha yustankar? Donc ça, on va laisser la prochaine fois. Il a posé cette question. C'est le contraire, ce qu'il a dit. Hein? C'est le contraire par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Non, pas le contraire, mais pour nous, on va voir. Alors, il a dit, tu objecteras peut-être que l'amour est la plus haute station et qu'enfer état participe à manifester le bien dans un esprit de gratitude. Alhamdulillah. Et que donc, il n'y a pas lieu de le cacher. Je répète. Tu objecteras peut-être que l'amour est la plus haute station et qu'en faire état participe à manifester le bien dans un esprit de gratitude et que donc il n'y a pas lieu de le cacher. On fait quoi ici? Moujkla. Comment il va trouver la réponse? C'est ça, mon con. Si tu me laisses 20 ans pour trouver une réponse, je trouve pas. Lui, il va nous donner une réponse et il nous convaincra tous. Mais après, il donne un argument. Si on continue le paragraphe. Oui, oui, oui. Ça, c'est juste une question. Hein. C'est juste la question. Après, il va répondre. Ça va prendre quelques... Il va s'arrêter ici.